Salut, ben là on est dans un nouveau décor, on est dans la cuisine. On se retrouve pour un duel culinaire entre Francis et moi, je vous explique les règles du jeu. On a pioché au hasard 5 ingrédients et on a dû faire une entrée pour les fêtes, tout ça. Comme ça on vous propose une entrée à faire si vous n'avez pas d'idée. Et voilà, mes 5 ingrédients sont pâte feuilletée, fromage et emmental, du jambon, un oignon et pour finir... du Nutella. Bref, alors quels sont les 5 ingrédients que tu avais? La farine, la laitue, qu'est-ce que c'est? Du foie gras, mousse de foie gras, du pain, de la maïs. On y va, monsieur? Par contre, on peut utiliser tout ce qui est assaisonnement basique, c'est-à-dire poivre et sel, et persil et puis de l'huile aussi, voilà. Mais pas plus. Voilà, donc j'espère que je vais gagner et je vous montre tout de suite ce que je vais faire. On y va? C'est parti! Nous voilà au moment fatidique où en fait on va découvrir la présentation de nos plats. Et je tiens à préciser que moi j'avais rien de liquide, tout était solide. Je ne pouvais pas faire un truc magnifique avec. Bref, 1, 2, 3. Attends. Mais toi, il y avait des trucs faciles. Moi, j'ai du Nutella et de la pâte feuilletée. Tu veux faire quoi? C'est ton problème. Allez. Je vais goûter le pain. Il est rassis. Mauvaise foi. Non, j'ai tiré ça, tu m'as fait mal. Mauvaise foi. Chrétienne. Arrête. Bon. C'est du pain, quoi. C'est du pain, quoi. Je vais goûter son truc jaune, là. C'est du maïs. Du maïs. Arrête. Moi je dis les vérités, on est chrétien. C'est froid. On va goûter le foie gras. J'ai du mal, hein. Attends, le foie gras sans le maïs. Tu joues mal, Kawaret. Non, mais j'aime jamais mieux le foie gras. Mais il est bon. Maïs, j'aime bien. Tu manges, hein? Tu vois, t'aimes ça? Non, je mange. Tu parles, c'est pas bon, mais tu manges, hein? C'est bien. Alors, ça monte. C'est bien, ça vaut. Allez. Vraiment, tout ensemble, c'est bon. Ah, évidemment que c'est bon. En plus, je veux dire, le four a un problème. Regardez. C'est pas mon problème. T'as voulu faire quoi, là? Mais t'es mauvais. C'est... Mais après, c'est une fleur, quand même, honte. Elle est belle quand même, ma bête. Elle est belle. C'est bon, arrête, faut que tu la bouffes, le truc.
J'aime bien la pâte. C'est vraiment bien. J'aime bien. C'est plus. Le Nutella. J'ai oublié le Nutella. On les goûte les trois ensemble. Non. Je pourrais goûter. Je préfère ça, juste ça, que tout ça. Et sans mentir, franchement, sans mentir. Mauvaise foi. N'hésitez pas à mettre en commentaire celui qui pour vous a fait le meilleur, la meilleure entrée. C'est moi. Honnêtement, sachant que moi c'était plus compliqué. J'avais une pâte feuilletée, du jambon, du fromage. Tu veux faire quoi avec? Alors toi t'avais de la maïs, donc c'est sûr que c'est facile. Du foie gras, voilà, c'est des trucs de voilà. Mais moi j'avais tout ça, du Nutella. Bref. Et je me suis quand même bien débrouillée. Du coup, ce sera la dernière vidéo du mois de décembre sur la chaîne GID. Bientôt on sera en 2020. Et qu'est-ce que tu leur souhaites? Que du bonheur, que je t'attache à lui. C'est le plus important. Donc voilà, pour cette nouvelle année, donc année 2020, je souhaite que ceux qui ne connaissent pas Dieu, si tu ne connais pas Dieu, je souhaite que l'année 2020 soit l'année où tu vas découvrir Dieu du plus profond de ton cœur, que tu vas créer cette intimité avec lui. Et je souhaite aussi que tu réussisses si tu passes tes examens, si tu entreprends une entreprise, tu fais quelque chose, bah que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves, que Dieu t'accompagne, que Dieu te précède et te succède. Voilà, voilà, on se dit à la prochaine. Enfin, non. Au revoir. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bisous. Bisous. Santé. Mais pas des pieds. Prends une minute, tablette. Très bien. Et comme tu veux goûter, goûte. Non, mais tu fais quoi, Caro? J'ai pas goûté.